Allez. Le béton est prêt pour faire la cunette du drain. On continue. Allez, on remplit les seaux. Hop. Hop. Allez, hop. Ich. Et voilà. Et là, hop, on jette ça là pour continuer la belle cunette. Ah, bon, allez, la petite cunette, elle se remplit, elle se remplit. Bon, les gars, c'est long, mais c'est bon. Alors, un peu de béton, pas trop liquide, d'accord? Au moins, eh bien, quand on fait notre cunette, c'est vraiment nickel, ça déborde pas de tous les côtés. Et regarde, avec la pente comme il faut, donc on met 5 mm minimum tous les mètres, d'accord? Et regarde la longueur que ça fait un paquet. Hein. Allez, doucement, alors je vous cache pas, il caille, mais bon, ça le fait, ça le fait. On y arrive, on y arrive, et il nous manquera tout là-bas. Il nous manque à peu près encore. Allez, 6 mètres. Allez, je vais chercher le béton pour te faire voir un peu le cheminement que ça nous fait faire. Hop. Je fais gaffe quand même. Voilà. Tu vois. Hop. Donc je mets ma, hop, ma bétonnière, ma brouette ici. Tu vois. J'allume mon groupe. Et là, hop, là comme il démarre. Et ma bétonnière, petite bétonnière mais qui fait l'affaire. Allez, on continue. Bon, ça y est, on commence à faire les finir. On en a marre de donner les sauts et tout. Du coup, on jette tout comme ça. Bon, déjà, ça le facilite en bas. Et en plus de ça, il va se tasser vraiment nickel. Regarde. C'est parfait, tu vois. Allez, on continue. Et ça y est les gars, toute la partie là, donc là c'est la partie là-bas, la partie basse, hop, ici, donc là on va peut-être un peu l'élargir, pas grand chose. Et la partie de 20 mètres là-bas, regarde. La cunette là est terminée. Allez, je vais au bout, je vais te faire voir à quoi ça ressemble. Bon, regarde comme c'est propre. Et ouais, ça va venir accueillir le drain. Voilà à quoi ça sert une cunette. Regarde. Allez, tu vois la suite des petits cœurs.